Mais ils ont beaucoup de place. D'ailleurs, on dit qu'au maximum, il y a 2,5% de poissons et 97,5% d'eau. Les poissons qui sont dans ce bassin font environ 3 kilos et on va les pêcher en décembre ou en janvier. Produire un kilo de saumon d'élevage, un kilo de saumon, admettons, il faut environ 1,5 voire 2 kilos de poissons sauvages. De plus, les espèces d'élevage peuvent transmettre des parasites, des maladies aux espèces sauvages. Du coup, il faut vraiment éviter, et c'est ce que font la plupart des fermes, de propager les espèces d'élevage vers des écosystèmes sauvages. On sait que le pou du saumon est un parasite qui attaque les espèces sauvages à la base, mais aujourd'hui, les espèces d'élevage sont concentrées. Donc le pou se développe de plus en plus et pourrait encore plus affecter les espèces sauvages.